Bongo, on dirait qu'il y a mon galima, bah sango ya Congo la banda qu'on a vu non. Alors avant tout kota na vifi ya si je ne suis pas là, tous allez bongo en direct sur internet na Softkins TV na Canada, mais bien sûr dans mon galima Manchester. Tout là maintenant nous intervention il y a Monsieur Louis Laurent Louis ouaza député belge mais abondé la raba congolais na parlement. Tout là dans Breaking News. D'un blanc ou d'un noir, qui oubliera les fusillades ou périssant de nos frères, ou les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ce discours, monsieur le ministre, vous l'avez reconnu, c'est le discours de monsieur Lumumba en 1960 lors de l'indépendance du Congo. Et pour avoir osé dire cette vérité, il sera assassiné et tout laisse à croire que notre pays a sa part de responsabilité. Il avait pourtant raison, M. Lumumba. Et je regrette aujourd'hui, excusez-moi de parler fort, mais puisque le clan PS a fait que parler, et je regrette aujourd'hui, M. le ministre, d'être le seul à réclamer des excuses de la part de la Belgique pour les crimes et les méfaits commis durant la colonisation, pour l'esclavagisme et la torture. Le pire, M. Rendex, c'est que depuis 1960, en fait, rien n'a changé. Le Congo est toujours une colonie belge, une colonie de la communauté internationale. L'injustice y est toujours omniprésente et les opposants sont toujours opprimés par le pouvoir en place. Notre pays, lui, continue, par votre voix, par celle de M. Di Rupo, à honteusement soutenir un président fantoche qui a été placé à cette fonction par le grand Manitou du MR, votre ami, même si je ne sais que ce n'est pas le cas, Louis Michel, qui aura fait fortune sur le dos de la misère du peuple congolais. Alors pendant que la Belgique favorise ses intérêts financiers, eh bien, le président Kabila lui assassine et affame sa population. Alors ma question va être très claire, monsieur le ministre. Avez-vous conscience qu'en maintenant votre soutien à un président contesté et contestable, et en niant la volonté de la population, vous rendez impossible la gestion du Congo qui risque de sombrer dans la guerre civile? Assumerez-vous dès lors d'avoir sur les mains le sang qui risque d'être versé à cause de la situation de fait que vous persistez à défendre? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. La parole est au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Merci, monsieur le Président. Je ne veux pas revenir sur les différents commentaires de monsieur Louis, simplement vous confirmer que nous suivons le processus au Congo de manière très assidu en fonction de la demande que nous avons formulée de voir s'améliorer le processus de compilation des résultats à l'occasion des élections législatives. Pour le reste, je rappellerai simplement deux ou trois choses pour M. Louis. La première, c'est que je dois quand même lui confirmer que le Congo est bien indépendant. La décision est tombée déjà il y a quelque temps, M. Louis. Le deuxième élément, c'est que les observateurs ont tous reconnu des irrégularités graves lors de l'élection présidentielle, mais comme je l'ai confirmé au nom de tout le gouvernement, il n'y a pas d'indication d'un changement du classement de l'ordre des candidats. Et trois, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a tenu, comme je l'avais fait déjà, à féliciter l'ensemble des forces congolaises, je le rappelle, pour leur participation au processus électoral. Et a tenu également à signaler au président Kabila que nous souhaitions poursuivre nos travaux en faveur de la population congolaise. Pour le reste, il n'y a aucun soutien en particulier à un régime ou à un autre. Il y a toujours la même volonté de tenter de faire progresser le processus démocratique au Congo comme ailleurs et de tenter surtout d'aider une population qui en a bien besoin dans un très grand nombre de domaines. Mais je le répète, monsieur le président, je ne vais pas revenir sur les autres remarques de M. Louis, qui, à mon avis, je parle de vos remarques, n'ont pas beaucoup de place dans une assemblée comme la nôtre. Merci beaucoup, M. Louis. C'est évidemment beaucoup plus facile, M. Renders, de ne pas en parler et de se voiler la face. Maintenant, je vous confirme que le Congo n'est pas indépendant, puisque ce pays, et surtout le peuple congolais, n'a pas le droit d'élire son président, et qu'avant d'être le président des Congolais, c'est le président de la communauté internationale, pour permettre à cette même communauté internationale et à la Belgique de se servir
des richesses du Congo alors que la population, elle, meurt de faim tous les jours quand elle n'est pas assassinée par Kabila que vous défendez. Merci beaucoup, madame. Merci. Pas de commentaires. Kabila a femme et tue les Congolais et c'est les Belges et la communauté internationale qui les supporte, c'est-à-dire au Congo, on nous a récupéré, on nous a volé notre droit de vote, notre droit d'être indépendant, parce que le Congo n'a jamais été indépendant. Voilà pourquoi Binotu va au besoin de l'élection. Normalement, faut changer discours. On a vu surtout de la sous-élection, parce que on a eu tout ça, mais on a parlé ma Belge, on a parlé ma Belgique. Nde bazolo baké baboto la Congolais droit vote président Congo communauté internationale mta aponaka yo Congolais ozana droit opona président, c'est-à-dire baboto la droit à vote. Et puis Kabila o bango bazo soutenir azo ko famé pe ko bon ba Congolais na ngongo na zo Sabino eza koyinda chaque jour ba Rwanda bazo ko tana Kinshasa siko opona ko bomba morphologie na bango ba komi ko tambola na ba jeep o eza fumé bazo tambola ba jeep la fumé soko ozana Kinshasa. Boke baba jeep nyo sou voiture za fime, sa di voiture oyo ba vitre nan ou omo na batoba na katite za ba Rwande ba komi ko patrouye meme na moi. Donc ezali makambu oyo sama na Congo toti ki akolobela makambu ya belection to kende na makambu ya soulevement populaire oyo eko libere mboka pe eko timola mosisa ya bato nyo sotou bazali na occupation. Ndenge tolobi ete Kabila assassine et affame les Congolais. Dossier ya charnier ya maluku tilelo opposition ezali accompagnateur ya ba occupant ba lobela rango susute ba vanda kimia, mais pourtant ba kunda ba Congolais pamba ndengwana na ba fosse commune ba benga ba ba indigent ezali likam obiso ba Congolais na place to sala ba video ya kufingana na place to sala ba video ya koloba n'importe quoi et sengela kito sensibiliser communauté internationale po na likambo oyo ya ba indigent to ba Congolais ba kundi ba ona ba charnier na maluku na Kimwenza na ba Congo et puis na nanini na na Katanga to na Kingakati. Donc ezali mawa mingi ba sango ya Kinshasa les amnistiés de M23 ba moni ba ona ndolo bazo sa prêter ba matavion ba ki na est po ba no sala susu rébellion mususu tali bato ba ministiaki ba Rwanda ou ba ministiaki ba makengo banani ba moni bango so na ndolo na aéroport ndolo bazo matavion po ba kende côté est ba banda rébellion mususu. Entre-temps Kabila négocie son départ par les sangs. Kabila a zo négocier départ na makila aligni makile tanga na Congo aligni le kende na kimia te bolimisa. Alors moto yaki na minduki ayoka kaka langage ya minduki. But ya majorité présidentielle, donc en dépit de sa gestion, de la gestion calamiteuse de Kabila comme chef d'État congolais, ezali kaka atika la président Congo coûte que coûte ou makila etang. Alors biso ba congolais to telemeli yango likambo kokamwa lelo na ba Facebook nyonso na internet bolandi journal ya TV5 esika mindele balaksi bonduki na bango. Pe bon bazali mayele mabe déjà bakomi kokomake Moïse Katumbi azali nouveau leader ya opposition congolaise ou eza orphelin. Vraiment pourquoi vous réagissez, pourquoi ba mindele bakoko lobake Moïse Katumbi bazali azali bongo leader ya opposition ou eza orphelin, pourquoi ba bengi opposition à Congo eza orphelin, orphelin de qui? Bien que tous en assemblant à Corée, sabino que papa Titi Etienne Tshisekedi depuis ce matin a été hospitalisé na hôpital à Saint-Luc na Bruxelles. Alors mais à bazo de la orphelin, c'est-à-dire que bien que Tshisekedi a été hospitalisé à l'hôpital à Saint-Luc le boko na Nzambe et songaye abika parce que il faut le moisuka pe a leka na ko réconcilier peuple pe a senga sori na ba comportement nyo surtout o ya salina ki kolabo ya mwana na ye avant tika biso kende. Alors pourquoi orphelin? Po kamere aboma opposition ya Congo, opposition ya Congo ezaki na leader lokola Tshisekedi et puis après Tshisekedi ezaki Olengankoi, sali soki Tshisekedi aza indisposé Olengankoi mbala moko azo zwa relais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Batinda Rwanda Vital Kamere o aza na sida
azokaba alors akota apanza opposition azwanzela na lokoso ya mwana Tshisekedi na kombo ya Félix Tshisekedi oyo ba muzomone na ba réunion na ba mtu ya PPRD na batu ya ba G7 po na koluka atika la premier ministre et pourtant aza na qualification ata mokote aza kolabo pe aza na mwasi ya rwandaise na kati ya ndaku na ye. Alors yango bazulu ba opposition ya Congo ezali orphelin pe sikoyo basali ndenge nini soki opposition o etikalaki na Kinshasa o ezali ya bafayulu ya batu wanani surtout ezalaka o bazobenga dynamique ezali opposition moko démocratique to opposition moko ya ba nationaliste nde Lumumba alobaki aza nationaliste balingaki jamais ko provoquer to ko fabriquer G7 na Kabila na kaka Moïse Katumbi lokola leader parce que boyebi bien que constitution ya Congo ezolo ba poza président Congo il faut zala de père et de mère congolais tout monde Jean-Pierre Mbemba ou a kozala jamais président Congo parce qu'il est de non de père et de mère congolais a koma ki candidat présidence tout monde Kengo Wadondo ou azana makila ya Congo te azali juif polonais pe maman na etuti rwandaise c'est-à-dire a koki même ko se présenter te candidat à présidence Vital Kamerhe ou azana de père et de mère congolais te ba étranger candidat ya la présidence Kabila kutu oyo aniata makolo na ye na Congo na 1997 asala même élection te a yebi ata masola Congo te aboma Kabila le père azwa pouvoir c'est-à-dire bino moko ba opposant bino moko ba élite congolaise tellement bo corrompu tellement bo médiocre bozo accepter l'inacceptable ya momo li balobi ete opposition ya Congo ezali orphelin parce que Kamerhe asala musala ne kitoko ya kopanza IDPS ou eza parti mouné na Congo parce que palou déjà basombango basombi IDPS mouto akobunde na sou peuple azalite IDPS nalo ya ki kolabo ya Félix ye moko pe Kamerhe aza étouffé c'est-à-dire tango Kamerhe ye moko asali tout apanza IDPS pe apanza opposition po ye a se faufiler le quoi la leader opposition mais ana charisme te a komi étouffé a sali ba déclaration belé a weli simingi a kosi mingi ba câble leli entre bango ba ambassadeur ba tie cal moyen ba croire na yesa souté parce que makam o ba fourmi rouge ba sala na Canada ya organi ko taqué ko attaqué les razagi na Herman Cohen ne esil sangingi na ye ya kozala prochain ministre président ya Congo. Alors ezali mawami yango bomoni balobi ke eza ndenge wana aza na charisme te pe aza plus rwandais que les autres eloko lisusu akokamwa Albert Moleka oyo ayaki na mbongo oyo epanzi komba na Belgique abimisi bizaleli na ye na kolakisa bizaleli na ye ke aza kolabo alobi na video ke esengeli ke totika Kabila a violé constitution comment un opposant oyo azalaki bongo na sima Tshisekedi ya tambola na Tshisekedi akoki koloba biloko ya ndenge wana ko permettre un génocidaire rwandais a yiba to a violer ba constitution na biso c'est-à-dire azo prôné pour ete Kabila a brigué de mandat mosusu pe a yiba constitution na biso mais eloko oyo ekosala mati alors na seni boyebi bien que ndeko na biso malumalu azali vraiment en danger de mort parce que batila ki poison likola lokoso likola buzoba na ye ko travailler na ba rwandais lelo malumalu empoisonné azana cancer ya tumeur ba salinyos ba lomulango ezo simbate calamité ya otika biso mais to senga na ndeko malumalu avant kufa asenga ba congolais pardon parce que li felouvement ezo zelaye parce que likolo na ye nde Kabila a tricha atika la président pe abomi ba tebele makila nyo surtout etangi na Congo ba partager on aye tala lelo azo kende akotika bana akotika mbongo akotika biloko nyonso tu oyo yazwaki likolo ya kotrahi Congo batu nyonso ba trahisa Congo basuka mabe ezala ngunza ezala Moïse Tshombe ezala Mobutu Sese Seko bibembe na bango ezonga na Congo te donc ezali mawa mingi pe lisusu na seni monseigneur Marini Bodo oyo azali assassin ya cardinal Etu alingi akoma président seni pour aider Kabila na ndenge ya ko glisser parce que ye c'est un collabo né et c'est quelqu'un
qui travaille pour les occupants. Donc voilà, Moussala Oyo, Ye Azosala Yangwana. Lissoussou, Tozali na ba Sango Moussous Tolobi, arrivé massive à Rwanda, Bazo Tambolaka, na ba jeep fumé na Katia Kinshasa, pour na kozwa contrôle ya batu na Kinshasa. Lissoussou, ba Sango Tozalango, Awa, lobby bolimbi si parce que information sur le koui, il faut aux hommes à redémentir. Tolobagi ke et tambolagi na ba social media na ba Facebook na ba wapi ke ndeko na biso ajani ajeje ya wenge maison mère akufaki ezalaki nango batunde ba mesana ko boma batu avant akufaki te bomoni même asali ba video do sorry to pesa ki information ezaki bongo te to zaki induit parce que batu mokili mobimba balobaki ezaki force alerte donc tolobi ke na Congo ezali mawa mingi kabila tu. Et en femme les Congolais, il faut tout ça la soulèvement populaire parce que babotola biso ba Congolais droit ya vote. Lissoussou na breaking news to ya koloba basango ya ville, basango ya cité, basango ya Congo, basango ya kamion surtout tout ça na ba Congolais. Batika ba vidéo ezangati na tout ça la ndenge ni tokobenga na Kabila na système na mobimba parce que ceux qui soulèvement populaire ça limité l'élection so bokeyi. Et vous en avez faveur dans le sauté. Si vous pouvez un dialogue, et vous en avez faveur dans le sauté. Et vous êtes Congolais, tout Bima, Libanda, tout Bengana, Kabila, Nenge, Ayaki, na ba soldat, na ye, yaba Rwanda. Lissoussou, na ba sango ya Kinshasa, tozui, appel moko, ya mama moko, yaza mwasiya pasteur, balobi pasteur Jean-François, yaza Mario, asundola mwasi na bana na Kinshasa ayoko kota ki Mario na Londres mwasi na bana ba bengana bango na ndako oya zayi kufutela atikelaki bango malheureusement bana bazo se démerder bazo bomana bango baniao bazo teka bazaba na mibaye bazo lelaka na biglise na bamatanga mais mama na bango aza gravement hospitalisé na mama yemo na Kinshasa alors batunyo subayebi ndeko ya pasteur ba bengi na kombo ya Jean-François Mario o akota ki Mario awa bo edeye aza la responsable azwa musala asala ka awa asangisa mbongo a tinde la mwasi na ye aza na hôpital azo souffrir biso personnellement na staff na nga kin na sali o na kusala mais tozo senga ye moko tant que responsable aza pasteur atika mwasi na bana na Kinshasa pasteur a solo moto na nzamba solo chrétien solo soki nzamba sungi oyo poto eloka liboso baninga basala ka famille réunion mais ye asopi boule akokota libala esika oyo mwana liboso babotaki akufi aboye meme kosala matanga koyebisa bato kobomba pe aza kolabo yena ndeko ne bienvenu songi songi bakendaka ba réunion ya ambassade alors groupe na bango nyonso to ba kolabo bomeka kosoutenir kosunga pasteur Jean-François Mario oyo asundola mwasi na bana mwasi aza gravement hospitalisé na Kinshasa donc boluka ko aider. Na breaking news to suki saka na masese. Alors masese alelo ezali nous ne perdons jamais d'amis, nous découvrons juste qui sont les vrais amis et qui sont les traîtres ou qui ont été nos ennemis déguisés en amis pour nous approcher et nous faire du mal. Donc tant on est surtout oyo ozoka bwana na mutu ezali te que tozo découvrir tozo perdre so kaboya na muteza zo perdre la mité mo découvrir qui elle était face na yini ni rôle na yini na kosala na vie no posezana ba tumsusu abosa ki camarade na yo okanisa lingi nzo ayi kuvanda pembe na yo afile yo aye babanzela na yo to approcher au poids salomabe c'est-à-dire so bokaboya na muntu fo pesa nzambe merci ko regretter te tango bokabwani mais regretter tango surtout au perdre na kozala pembeni ya muntu andengwana. Alors, Tolobaki, Naseni, Monseigneur Marini Bodo, l'assassin de cardinal Echau, Azolinga Kokoma président Seni, Tolobi na Kinshasa, ba touti bakoti ebele, bazotambola na ba jeep o izafime, na ba arme pour na kobomba ba Congolais, pe Tolobaki ete eza kokamwa ke TV5, bakomi deja kokumisa Moïse, parce que Moïse aza candidat au communauté internationale aponi. Nenge Louis Belge, Laurent Louis, alobi ambassade abi, alobi assemblée ba Belge alobi, botika ka ba Congolais ba pona sauté, Congo isa indépendante, pour bino nde ba tibo pona président. Soki ba pona biso président, ba komi ko sale le matraquage na TV,
connecté à la revue, connecté à la TV Mokili, à la news. Et pourtant, Moutouana, Azali Congolais à 25%, c'est-à-dire, à quoi il est gouverneur, mais à quoi il est président congolais. Peli Soussou, G7, ils ont une organisation mafieuse pour soutenir Kabila. Breaking news était à yo. Bye bye for now!